La Fédération des agents généraux d'assurance a pour mission d'aider au quotidien ces chefs d'entreprise indépendants que nous représentons dans l'exercice de leur métier, dans la gestion de leur entreprise. Alors très classiquement, nous faisons beaucoup de conseils individuels, nous faisons de la formation, de la sensibilisation, nous animons des groupes de travail pour les aider à mieux exercer leur profession, à mieux gérer leurs collaborateurs et à mieux connaître les évolutions économiques de leur secteur d'activité, donc les évolutions en termes d'assurance. Et enfin, classiquement, nos missions sont représenter ces intérêts auprès des pouvoirs publics et autres acteurs de l'opinion publique. Alors aujourd'hui, vous savez, l'assurance est un marché important en France. Et malheureusement, je pense que nous ne possédons pas complètement la culture du risque en France. Il y a nécessité que les compagnies d'assurance puissent s'adapter à tous les risques émergents qui sont actuellement face à nous. Mais ça veut dire qu'il faut aussi que l'on fasse de la pédagogie vis-à-vis des Français sur ce marché complexe de l'assurance. Les risques émergents aujourd'hui nécessitent une parfaite connaissance du terrain, une parfaite connaissance de la vie des entreprises, une parfaite connaissance des acteurs de marché. Donc je pense qu'il faut que les compagnies d'assurance aient un peu d'agilité sur ces sujets et puis se rapprochent peut-être encore plus des acteurs de terrain qu'elles ne le font aujourd'hui, ne pas travailler exclusivement avec des actuaires. Alors la prévention est un élément majeur dans la souscription des risques émergents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de souscrire un contrat, je fais un bilan de mon entreprise, je fais un bilan de ce qui est aujourd'hui en place dans mon entreprise, si on parle notamment des risques cyber, je fais un état des lieux de mon installation informatique, je fais un état des lieux des pratiques informatiques dans mon entreprise. Tout ceci me conduira à une meilleure quantification du risque que je souhaite assurer. Et bien évidemment, améliorer mon tarif, puisque dès lors que j'ai fait une démarche préventive, je dois le retrouver au sein de mon investissement en termes de primes pour minimiser cette cotisation, puisque l'assureur aura une parfaite connaissance du risque qui aura été analysé et préventé avant la souscription du contrat.